Le 10 mars dernier, Laurent Levaché, candidat révélé dans la 15e saison de l'émission L'Amour est dans le Pré, avait de nouveau fait parler de lui. Cette fois, l'éleveur bovin ne cherchait pas la femme de ses rêves dans le programme de M6. Les forces de l'ordre et les services vétérinaires de la Direction départementale de la protection des populations, DDPP, ont en effet dû intervenir, car son exploitation de plus de 400 têtes de bétail ne respectait pas certaines règles sanitaires. Selon la préfecture de Seine-Maritime, la ferme de Laurent Levaché souffrait d'un grand nombre de manquements sérieux aux règles de la protection animale. Résultat? Il a été jugé au tribunal de Rouen, ce vendredi 8 septembre, pour abandon volontaire de son troupeau. Comme l'a indiqué l'avocate de la Fondation Brigitte Bardot, dans les colonnes du Parisien, M. Levaché reconnaît à demi-mot quelques erreurs, mais ne se remet pas en question dans la gestion de son élevage, ni ou minimise les graves manquements constatés, qui si on le croit ne sont pas de son propre fait, a-t-elle indiqué. Pour cette raison, le procureur a requis 8 mois de prison avec sursis. Le substitut du procureur de la République de Rouen a également demandé une interdiction totale d'exercer toute activité d'élevage. Ce n'est que le 13 septembre prochain que Laurent Levaché connaîtra sa peine. L'amour est dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble? Des carcasses abandonnées lors du retrait du troupeau de Laurent Levaché, en mars dernier, près de 150 personnes avaient été mobilisées. Selon certaines sources, les intervenants avaient été surpris par l'état général des bêtes. Des carcasses abandonnées ont été trouvées dans les champs et certains animaux étaient très maigres, dans un état sanitaire déplorable. L'un d'eux a d'ailleurs dû être euthanasié, avait ainsi regretté Christophe Marie, directeur adjoint de la Fondation Bardot, lors d'un échange avec le Parisien. Et de conclure au sujet de l'entretien du troupeau, cela montre tout de même un manque de compétences quand on arrive à de telles négligences. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, M6. Just